Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers, fidèles et abonnés de la Vision en Action, bonjour, bonsoir, comment nous y est. Hier encore, pasteur Gardi Jean, sœur Manassé, pasteur Claude-Emmanuel Camille, Pat Campé, même côté, et pasteur Mallory Laurent. Jodi a, yo même côté. Qui message qui voyait, est-ce que ça signifie même si nous gain problème approche mais nous pas divisé, nous pas deux, même si fort en pile dans acheter cause pour l'autre monde sans yo pas connait à qui crier, à qui aller monde. Y a sans trop déchirer, sans trop tuer une l'autre déraisonnablement. Y a mettre ensemble pour craser, pour bouler, pour touiller, pour lapider sans yo pas même connait pour qui y a fait ça. Dans secteur évangélique là, peut-être qu'il y a problème approche, application, interprétation, entendement. Mais des barrières, y a pas jamais franchi. Hier encore, sœur Manassé, pasteur Gardi Jean, Patrick Jouenni nan approche pasteur Mallory. Le pasteur Mallory te avancé pa gen provision légale, biblique, prophétique nan Bibla pou yon femme pasteur. Yon bagay biblan pa positionné sou li noir sur blanc. Jodi a, sœur Manassé côte à côte ak pasteur Mallory Laurent pou cause l'évangile, valeur, principe chrétien. Les chrétiens yé gagnent un moment qui rivé, faut qu'on prend position pour bon Dieu, même si ça coûte cher. Sœur Manassé pas marché mot dans bouche li. De façon incisive, pasteur Gardi Jean t'a parlé, dit ça le penser. Ak moun kap lapidé, offensé, injurié, révérend pasteur Mallory. Mesdames et messieurs, je vous invite à attendre avec moi. La secrète journée, c'est pour prendre position pour vous. Et moi, je vais manger pasteur Mallory, parce que le campé dit que Emeline Michel n'a pas chanté avec la chanteuse, avec l'artiste, mon Dieu. Et puis, je vais l'artiste, mais je vais servante, je vais service, la Bible m'a parlé l'artiste, je vais servante. Même point le monde, il y a la chose qui se donne le monde. Pas de rapport, ténèbres à lumière, ça dit à ses alliés. Qui ça dit? Ça dit à ses alliés. Et puis tout le monde qui va chanter la machine, comment? Les mounes ont chanté, c'est lui, les royaux, les royaux, les royaux, les royaux, les royaux, les royaux. Sans l'autre, on va être protestant 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 sans l'autre, on moi-même, les madame a dit que tu n'as pas posé candidature. Moi, équipe passe les débarqués. Je vois des barrières. Les gens typiques nous disent maman, moi, pas qu'on a mis l'uniforme, dit qu'il est au vide. On nous baisse, on dit. Et nous prenons le. Dans sa type de 14, on dit. On passe à qui va le prochain, dit maman, t'aimes non. Pas à qui va le prochain, la guerre. On dit pas qu'un thème, dit non. Oh, il y a une tête, mais madame Aniga, là, tout le monde s'est passé. Madame Aniga, on passe à tout radeau qui veut. Je dis que même après ta pique, on a juste fait mourir, même si tu mourir, mais ça, je vais en continuer à prêcher. Je dis que je vais camper d'elle, madame Aniga. Madame Aniga, vous camper d'elle. Parce que riche pénier, esprit souverain supérieur, c'est cet esprit qui a guidé le monde. Là, tu me sais pas, c'est rien, faites d'aller, ou c'est pas, c'est tout. Faut que Dieu te dise qu'il campe pour lui. Et lui, t'es campé comme prophète Baal. Prophète Baal, c'est prophète Baal. Et lui, c'est serviteur, mon Dieu. Il y a la main de mon Dieu. La main de mon Dieu qui sait. Quand tu as cinq attributs constitutionnels, la sainteté, la justice, l'amour, la miséricorde, la sainteté et la mise. Mon Dieu, pardonnez-les. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Mon baptême protestant sans nom a pu me faire débat. Ça va des débats la donne. Ça va bien débat la donne. Et tout le monde qui d'accord campé pour mon Dieu, levez-moi, levez-moi, alléluia, c'est de faire à l'éternel.
chrétien, mais éternel. C'est vrai, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Nous devons voir l'église là, n'a pas donné au chita, il va donner. À part que nous avons cette affaire, il y a une investiture, il n'a pas passé là, t'as fait, t'as présenté ton client. Eh bien, et un petit, oui, tu as des chita, ou tu as chita, oui. Et pas mené, ou pas même. Ensemble, on tuerie à la loi. Il connaît bien les viandes, il mange pas du yard, il petit fait mes chitans, il dirige le péché. Ça t'encadre. Pasteur Jean-Marie, il montre mon action, notre grâce. Pas pour vous, il y a de son terme à 17, pasteur Jean-Marie, il est comme belle âge. Au fil de ma journée, ma machine pour nous clapper. Merci, pasteur Gardi Jean, sœur Manassé. Nous tenons un pile pasteur, homme de Dieu, chrétien, païen, prophète parler. Mais majorité, nan sa yo ti yo négligeable. Considérant déclaration décevante, Markinson Douglas ak Marco Chérubin, Marco Elzidor, pasteur. Dans une étude qui a présenté sur plateforme YouTube, pasteur Claude-Emmanuel Camille fait un papier testamentaire de qui ça, qui est un chrétien, un monde qui converti, et un monde qui n'est pas converti, un inconverti. Tout le monde est sous nom païen. Mais il y a des choses qui sont belles. Dans le monde qui observe le bon Dieu, le monde qui est chrétien, tout bon yo. Gen yon bagay ki pase, ki anvi aflige yon lot moun.
tout monde campé, tout chrétien campé pour dire non. Chrétien yo pas tant c'est les gen une catastrophe naturelle, un tremblement de terre. Yo n pa ka aider l'autre. C'est les ça y a dit si yo te connaît. Les gen yon bagay, yo tout campé à l'unisson ça pour bon Dieu bien entendu. C'est pas ça qu'a usurpé, qu'a trompé, qu'a dupé pour mentir. C'est pas ça qu'a fait face des farceurs. Pasteur Claude Emmanuel Camille prend position. Il fait une étude sous sa pasteur Maloridien. Est-ce que positionnement pasteur Maloridien li biblique ou li évangélique? C'est un enseignement, une étude qui en français. J'espère que nous tous gain compréhension français pour nous entendre et comprendre qui ça pasteur l'a expliqué. Il fait différence entre un païen et un chrétien. Qui position chrétien doit gagner? Nous ne devons pas pratiquer les œuvres du monde, mais nous devons aller vers le monde pour évangéliser le monde avec notre comportement, avec la parole de Jésus-Christ. C'est ce que nous demande de faire la Bible. Aller à travers le monde, prêcher la bonne nouvelle. Lisons maintenant Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Regarde ce que dit la Bible. Marc 16, verset 15 nous dit, Puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est la mission des chrétiens, la mission de l'Église, on pourrait dire oui, d'aller vers le monde pour évangéliser le monde, pour attirer le monde vers la lumière, pour retirer le monde sous l'emprise des ténèbres, pour ramener le monde vers la lumière. C'est la mission de l'Église. Mais la mission de l'Église n'est pas de se mettre avec le monde. La mission de l'Église, Jésus est clair, dans sa mission, il faut aller vers le monde pour évangéliser le monde. Non pas pour faire des copinages, pour être copains. On sera copains lorsqu'on sera ensemble dans la lumière. Ah oui, mes chers amis. Alors, mes chers amis, Paul nous a dit, rappelez-vous, parce que Paul, c'était un persécuteur et il était devenu quelqu'un de virulent qui prêchait l'évangile avec hardiesse. Rappelez-vous que Paul avait dit de ne pas avoir des relations, attention, de ne pas avoir des relations avec des débauchés du monde, des impudiques du monde. Mais lorsque Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 9, Paul n'a pas dit de couper les relations, de ne pas avoir des relations avec les impudiques du monde. Paul parlait d'une autre catégorie de personnes. Parce que Paul ne pouvait pas prendre le contre-pied de la grande commission de Jésus. Parce que Jésus avait dit, allez par tout le monde pour prêcher l'évangile aux impudiques. Prêcher l'évangile aux homosexuels, prêcher l'évangile aux adultères, prêcher l'évangile aux fornicateurs, prêcher l'évangile aux assassins, prêcher l'évangile aux criminels. Mais Paul ne peut pas dire après qu'il ne faut pas avoir de relation avec les impudiques du monde. Ce serait contredire la parole de Dieu. Mais on sent ce que Paul voulait dire. Allons dans 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 5, allons-y. Allons-y, mes chers amis, 1 Corinthiens 5,
Là, nous sommes en train de voir la différence entre le croyant et l'incroyant. 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Voilà ce que Paul parle. Paul dit, 1 Corinthiens 5, verset 9. Lisons. Je vous ai écrit dans ma lettre, il faut comprendre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue. Comprenez, oui, il dit non pas d'une manière absolue, il ne va pas à l'extrême. Avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Autrement, il faudrait sortir du monde. Paul dit, quand je dis de ne pas avoir de relation, je ne le dis pas de manière absolue, parce que nous devons aller vers le monde. Nous devons aller vers les impudiques. Nous devons les évangéliser. Mais ce que Paul veut dire, c'est que lorsqu'il dit de ne pas avoir de relation, c'est que de ne pas pratiquer ce que les impudiques pratiquent, mais nous devons les évangéliser. Mais Paul donne une précision beaucoup plus grande. Paul va dire maintenant, ce que je vais dire, il faut couper des relations, il faut cesser toute relation, il faut bannir toute relation avec un frère, qui veut dire avec quelqu'un qui est dans l'église, avec quelqu'un qui a accepté Jésus, avec quelqu'un qui a été baptisé. Et que ce quelqu'un qui a été baptisé, mes chers amis, au lieu de continuer à marcher dans la sanctification, mais ce frère, il est impudique avec la Bible en main. Il est cupide avec la Bible en main. Il est idolâtre tout en chantant dans le choral. Il est outrageux tout en priant le Seigneur. Il est ivrogne, il boit beaucoup d'alcool. Et le dimanche, il prêche, il chante. Il est ravisseur, il prend de l'argent, il prête de l'argent, il ne rend pas de l'argent. Il vole de l'argent à l'église. Eh bien, Paul nous dit, ce frère-là qui a accepté Jésus-Christ et qui refuse de se corriger, qui refuse de se repentir, il ne faut même pas manger avec un tel frère parce qu'il le fait de manière volontaire. Donc, vous comprenez? C'est ce que Paul dit, mes chers amis. C'est ce que Paul dit. Nous venons de faire une différence entre le chrétien et le païen, entre le croyant et l'incroyant. Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 6, parce que je vous avais dit que Paul était bien obligé de monter au créneau parce que les chrétiens de Corinthe voulaient faire un mélange, voulaient accepter des corps étrangers au sein de l'église. Ces chrétiens étaient au dehors, ils vivaient au dehors, ils étaient dans le monde, ils ont accepté le Seigneur Jésus après avoir écouté la prédication de Paul et de ses compagnons, ils sont venus à l'église, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, mais il y avait un problème, il va y avoir un problème. C'est que ces chrétiens qui ont été convertis et qui sont à l'église ne voulaient plus aller dans le monde, ces chrétiens ne voulaient plus se rendre dans le monde, mais ils ont trouvé un plan beaucoup plus ingénieux. Au lieu d'aller vers le monde, ils voulaient attirer le monde à l'intérieur de l'église. Ils voulaient attirer le monde à l'intérieur de l'église. Ils voulaient être des copains, copines avec le monde, avec les gens du monde. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit, voyant ce mauvais spectacle, voyant ce problème arriver,
Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, et c'est pourquoi il est venu avec ces paroles pour rappeler aux Corinthiens qui voulaient se mélanger avec les Corinthiens qui étaient toujours dans le monde. Il a dit à ces Corinthiens qui étaient dans l'église, attention, verset 14, 2 Corinthiens 6, verset 14, nous allons maintenant décortiquer ce passage pour vous. Nous allons décortiquer ce passage. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je vais vous expliquer, mes chers amis. Quand Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce que cela veut dire, sous un joug étranger? Un joug, c'était quoi? Mon frère, ceux qui pratiquaient ou qui connaissent l'agriculture, souvent, qu'est-ce qu'on faisait pour travailler la terre? On prenait de bœufs pour pouvoir travailler la terre. Et ces bœufs-là, les deux bœufs, avaient un gros morceau de bois. Et ce morceau de bois reliait la tête des deux bœufs pour tenir les deux bœufs ensemble pour faire le travail. C'est ce qu'on appelle un joug. Le joug, c'est un bois qu'on mettait dans la tête de deux bœufs, mais ce bois-là, ok, liait la tête de ces deux bœufs pour que ces deux bœufs restaient ensemble pour faire le travail de la terre. C'est ce qu'on appelle un joug. Maintenant, pourquoi Paul a pris cet exemple? Écoutez-moi bien. Nous allons scruter la Bible. Pourquoi Paul a pris cet exemple? Pourquoi Paul a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger? Paul, mes chers amis, a trouvé cette analogie, a fait référence à une loi de l'Ancien Testament. Il a fait référence à une loi de l'Ancien Testament, mes chers amis. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique. Allons dans l'Ancien Testament pour voir pourquoi Paul a utilisé cette phrase, disant, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Que dit Deutéronome 22, verset 10? Il dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Tu ne laboureras, c'est bien Israël Charles, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. En tout cas, en pile fois, en pile moun reproché pasteur Mallory Laurent parce que li parler avec trop hardiesse, li peut-être paraître arrogant. C'est même problème ça, en pile moun genye à pasteur Amel Lafleur. Genyon bagay yore les zèles dans l'évangile là. Est-ce que monsieur Sayo les a prêché, yo prêché avec en pile autorité? Tout moun dit c'est arrogant, yo arrogant. Sœur Manassé tout, elle a parlé, il parlait avec en pile zèle. Est-ce que vraiment dans relation au jour le jour, yo, relations humaines, yo, yo comme ça avec moun, yo traite moun comme ça, sinon c'est zèle là qui fait en quelque sorte yo paraître violent dans parole yo, yo dominant dans déclaration y a fait, dans parole y a petit cap saute dans bouche yo. Ces questions à poser. En tout cas, c'est une très belle étude, yon sujet mené à un autre sujet, menez-nous sur un autre
terrain pour nous penser en quelque sorte. C'est ça que l'homme, c'est ça qu'être humain, la perception des choses, façon où concevoir les pral transformer en conception. Conception yo a développé des idées, des réflexions, réflexion yo ka fait matière et matière yo bon, y a tourné n'importe l'autre bagage. C'est bien pour des moun qui pour susciter des discussions et discussions sa yo a fait sujet a créer des événements. Événements sa yo a porté lumière pour un pile moun. Si toutefois pasteur Mallory Laurent pas bien positionnement ça, c'est sûr que idée ça, étude ça pas monter kounye là dans l'esprit pasteur Claude Emmanuel Camille pour t'a porter éclairage ça yo. Rien pas fait pour rien et rien pas arrivé précipitamment. Tout bagaille planifié dans temps en nature là, arrivé là pour arriver ak moun pour arriver et y a atteint en pile moun, y a pile moun kap gen lumière dans sa kap fait yo. Merci encore pasteur Mallory Laurent parce que à chaque fois ou vini ak yon sujet tout moun considère en pile moun majorité moun considéré comme zin, mais à la vérité c'est pas zin yo, c'est quelque chose qui doit vini, qui doit mettre à nu juste pour nous comprendre qui côté nous y est pour bailler l'autre monde penser. L'Ancien Testament, Dieu a interdit de mettre, parce que le travail va se faire. Pour que le travail se fasse bien, il faut qu'il y ait deux bœufs. Deux bœufs pour faire le travail, et les deux bœufs doivent avoir un joug dans la tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passait des fois? Il y avait certains habitants qui n'avaient pas de bœuf et qui utilisaient un bœuf. Et comme ils n'avaient pas l'autre bœuf, ils prenaient un âne pour le mettre avec un bœuf pour faire le travail de la terre. Or, le bœuf et l'âne sont deux animaux complètement différents. Le travail de la terre ne peut pas se faire avec un bœuf et ensuite avec un âne attelé ensemble. Donc on met le joug dans la tête du bœuf et on met le joug dans la tête de l'âne et on les met ensemble pour faire le travail. C'est deux animaux, mes chers amis, deux animaux complètement différents. Il était impossible, mes chers amis, que l'âne et le bœuf fassent le même travail. Parce que la force du bœuf n'était pas la force de l'âne. Au contraire, l'âne allait affaiblir, retarder la puissance du bœuf, l'énergie du bœuf. Et c'est pourquoi la Bible dans l'Ancien Testament dit, l'Ancien Testament nous dit, qu'on ne peut pas mettre, mes chers amis, qu'on ne peut pas mettre un âne et un bœuf ensemble pour faire un travail. Donc, nous comprenons, mes chers amis, lorsque Paul a pris l'exemple entre l'incroyant et le croyant, Paul a pensé que le croyant, c'est le bœuf, l'incroyant, c'est l'âne. Le croyant est beaucoup plus fort. Mais l'incroyant est beaucoup plus faible parce que ils n'ont pas le même esprit et nous ne pouvons pas faire le même travail. Nous n'allons pas avoir le même résultat. Nous n'allons pas avoir le même résultat. On ne peut pas mettre un âne et un bœuf pour faire le travail de l'agriculture. De même, on ne peut pas mettre un croyant et un incroyant ensemble pour faire le travail de Dieu. C'est ce que Paul voulait dire dans 2 Corinthiens 6, verset 14, lorsqu'il a dit « Ne vous mettez pas avec un infidèle. » Mes chers amis, ne vous mettez pas avec un âne sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec un âne sous un joug étranger. Donc nous voyons que, mes chers amis,
C'est ce que nous dit la parole. Ne vous mettez pas avec un âne sous un joug étranger. Donc, nous voyons que même dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas de mélange. Donc, le fait de dénoncer le mélange a été dénoncé dans l'Ancien Testament. La dénonciation du mélange se trouve dans l'Ancien Testament. Elle est biblique. Et la dénonciation du mélange se trouve dans le Nouveau Testament. Elle est évangélique. Donc, normalement, le pasteur Mallory a raison. Normalement, le pasteur Mallory a raison. On ne peut pas mélanger les deux ensemble. Il y a tout un discours, tout un tas de discours sans sens. Parce que j'ai vu même que des chrétiens qui ne connaissent même pas leur Bible raconter des dingueries. Vraiment des dingueries, je ne comprends pas. Pour raconter, pour dire, ils cherchent par tous les moyens pour vous montrer que Emeline pouvait chanter ou bien monter sur la chair avec des artistes évangéliques. Or, la Bible nous dit, on ne peut pas se mettre sur un joug étranger. Un bœuf et un âne ne peut pas faire le travail de la terre. De même, un croyant qui est sous la puissance de Jésus et un incroyant qui est sous la puissance des ténèbres pour faire le travail de Dieu. Pour faire le travail de Dieu, mes chers amis. Maintenant, regardons, nous allons continuer à décortiquer ce passage. Nous allons continuer à décortiquer ce passage. Parce que nous allons voir que dans ce passage, quatre contrastes. Paul pose quatre questions de Corinthiens 6. Nous allons voir les questions que Paul pose, mes chers amis. Il fait extrêmement chaud. Pour voir les questions que Paul pose. Regardez la première question que Paul pose, mes chers amis. Après avoir dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. La première question, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est la première question que Paul pose. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, mes chers amis? Dès qu'on parle de justice, il faut voir l'obéissance à la loi de Dieu. Dès qu'on parle de justice, il faut voir, mes chers amis, l'obéissance à la parole de Dieu. Et dès qu'on voit iniquité, il faut voir la rébellion contre la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice fait appel, mes chers amis, à l'obéissance, à la droiture, à l'équité. Mais dès qu'on parle d'iniquité, l'iniquité fait appel à la rébellion, à la révolte contre la parole de Dieu. La justice, mes chers amis, dès qu'on parle de justice, la justice caractérise les croyants. Si vous êtes un croyant, vous devez être quelqu'un de juste, mes chers amis. Vous devez être quelqu'un de juste. Et c'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit la Bible. La justice caractérise les croyants. Lisons maintenant, pour renforcer ce que nous disons, lisons Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7. Nous allons. Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7. Parce que c'est la justice qui caractérise le croyant. Romains 4. Romains 4, verset 7. Et nous allons après, dans Éphésiens 2, verset 10. Romains 4, verset 7 nous dit, mes chers amis, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux les iniquités, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Nous devenons justes. Parce que hier, nous étions pécheurs. Hier, nous étions sous la domination du péché. Nous vivons sur le péché.
sous la domination du péché. Maintenant, nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et que les péchés sont couverts. Donc, normalement, le chrétien est celui qui lutte contre le péché pour sortir sous la domination du péché. Merci bien, pasteur Claude-Emmanuel Camille, pasteur Manassé, Gordijan. En pile monde qui pas comprendre qui ça un chrétien, qui valeur chrétien a fait effort pour le procurer chaque jour, a pédélé, a répété un paquet de sottises, gagné qui posait problème, comme quoi yon chrétien pas adoué à nos restaurants, mette yon bel rade, à nos hôtels, monte avion, utilise technologie, sous prétexte, c'est païen kap fait bagay sa yo, kap travaille dans restaurant yo. Écoutez, dimension, mode de voir chrétien yo, arrivé dans extrême ça. Chrétien yon dit, si la fait yon bagay qui réserve à chrétien, yon païen, n'importe qualité païen, Kavin Laden, quel que soit ça ou t'as fait à vie ou t'es mettre homosexuel, ongan, homoaffectif, quel que soit mon nom ou Kavin Laden, dans activité chrétienne. Mais ou pas qu'à partie prenante dans programme, ou pas qu'à gagner micro dans mes mains pour parler, les va parler qui ça ou pral dit. Bien pis le monde qui traitait pasteur Mallory Laurent d'hypocrite pour qui ça? Parce que yo dit yon fois l'été recevoir dans l'église li magistrat ville New York là l'été bal micro pour le parler. Mais qu'on y là gagne yon différence entre yon autorité qui vient poser un problème, qui vient expliquer un problème. Ce n'est pas une visite courtoisie. Nous estimons maire la tête et comme une autorité. C'est sûr qu'il y a une question qui vient répondre dans la communauté, dans la vie, dans le côté, dans le pays qui n'est pas un pays. Il y a une question pour maire la tête répondre. Mais j'ai comme impression que tu bal micro pour te répondre à une question. Sans intention de défendre pasteur Mallory Laurent, parce que nous-mêmes n'avons pas de préférence. En tout cas, yon être humain, pas suspend social, c'est yon être sociable lié. Et sans sociabilité être humain, li pa vive en communauté. On suspend à légèreté qui gagne yo, banalité qui dans l'esprit nous yo, pour nous retourner à bon sens nous, pour nous exactement. Si un groupe moun prend une position, li dit ça, c'est position pâle, li prend tout ça qui rentre là-dedans, qui pas rentre. Selon principio, selon valeur, yon en évidence là, c'est un corps étranger, on pas accepter parce que ça c'est loi, ça c'est mode de voie, ça c'est compréhension. Faut que nous yon tikal tolérant, même j'en tout n'a petit chrétien, faut que yon tikal tolérant, respecter moun nan choix le fait. Vodouisan en fait choix pas. Li kwè nan loal, li kwè nan diabli. Li pas bon pour ou. Mais li bon pour li. On dit ki sa jwenn la dan. Même j'en li même la dou ki sa jwenn nan bon Dieu parle la w ap servi. Ki sa jwenn la dan.
C'est vrai? Nous pas qu'à limiter nous pour ne pas penser, pour ne pas poser question. Mais en pile fois, nous aller trop loin. Nous arriver trop loin. Respect, y a un minimum pour tout haïtien gagné. Pour nous vivre en communauté. Mais respect, il n'est pas seulement pour chrétiens, il n'est pas seulement pour païens, mais il doit des parts d'autres, il doit mutuel. Parce que nous sommes monde encore au-delà de choix, nous, de croyances, nous, de foi, nous. Nous sommes humains. Nous sommes monde encore. Nous condamnés pour vivre en communauté. Bête, tu comprends ça nous dit, mais nous ne comprenons pas ça, bête, tu dis. Mais moun à moun, nous comprenons ça, moun nan dit, ça le pense, même geste li fait, nous comprenons, mais on crée un moyen de tolérance, de dépassement de soi pour nous vivre en communauté, en commun accord, en société. Tout en respectant les uns les autres. Vision en action.